Ça commence. Live is on. Bonjour tout le monde, car oui, à cette heure-ci, il fait encore jour à Paris. Nous continuons aujourd'hui nos discussions sur le choisi pour le mois de juin. L'immigration entre intégration et assimilation. La semaine dernière, à la même heure, nous avons entendu ensemble le témoignage de Catherine Julien Kamal, qui nous a rejoint d'Égypte, pays où elle vit depuis 40 ans. C'est l'amour qui avait conduit Catherine vers l'Égypte, un choix qu'elle n'a jamais regretté, d'après son témoignage. Catherine a partagé avec nous son expérience, celle d'une Française qui est arrivée en Égypte en 1981. Le président El Sadat venait d'être assassiné. Bien sûr, les conditions n'étaient pas les meilleures, mais malgré cela, Catherine a réussi son intégration. D'après elle, quand on veut s'intégrer, il faut faire des efforts. Il faut bien entendu s'adapter au milieu d'accueil. Il faut respecter notre nouvelle société. Il faut accepter ce nouvel entourage, mais il faut également se sentir accepté. Ce n'est peut-être pas toujours simple d'intégrer certaines spécificités. Quand cela devient naturel, c'est quand on est, parfaitement intégré. La langue est le meilleur des moyens de s'intégrer. Catherine avait appris le dialecte égyptien qu'elle parle aujourd'hui couramment avec un accent chantant. Pour Catherine, l'intégration, c'est une transformation progressive. Le mot « assimilation » est plus violent pour elle. Elle nous a raconté comment elle s'est rendue compte quelque temps après son arrivée en Égypte qu'elle s'était un peu trop assimilée et le vivait comme un renoncement. Mais elle a pu se redresser et retrouver son identité. Il faut trouver un équilibre. Pour garder celui-ci, il faut respecter son soi et son identité. Catherine n'avait pas seulement réussi son intégration, mais également celle de ses enfants qui ont profité de leur double nationalité et de leur double culture. Le respect, l'équilibre et l'acceptation de la différence. Je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube le replay de ce témoignage qu'elle nous a confié à cœur ouvert. Du témoignage personnel à l'approche sociologique. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir M. Saïd Bouhamama. Bonjour M. Bouhamama. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et d'avoir répondu à notre invitation avec beaucoup d'enthousiasme. M. Bouhamama, vous êtes sociologue et militant pour les droits des immigrés. Vous étiez chargé de recherche de l'IFAR de Lille. C'est l'association Intervention, Formation, Action, Recherche. Vos principaux travaux portent sur l'immigration et les questions migratoires, les classes et quartiers populaires et les discriminations racistes et islamophobes. Vous faites par ailleurs partie des fondateurs du Front uni des immigrations et des quartiers populaires. En 2005, vous avez collaboré à l'écriture et à la signature de l'appel « Nous sommes les indigènes de la République » qui débouche sur la création du mouvement qui porte le même nom. Vous êtes auteur et co-auteur de beaucoup d'ouvrages. Je ne vais jamais réussir à tout citer ici, mais notre cher public trouvera la liste dans la description de cette vidéo de vos ouvrages complets. Je compte comme exemple, juste comme exemple, hein, vers une nouvelle citoyenneté, crise de la pensée laïque et la citoyenneté dans tous ses états, de l'immigration à la nouvelle citoyenneté avec Albano Cordero et Michel Roux, que vous avez publié chez L'Harmattan en 1992. J'y suis, j'y vote, la lutte pour les droits politiques aux résidents étrangers. La discrimination raciste, une arme de division massive. Préface de Christine Delphi, que vous avez publié toujours chez L'Harmattan. La liste est vraiment très longue. Alors maintenant, je vous passe la parole, Monsieur Bouhamama. Je vous en prie. Bien, je voudrais commencer par vous remercier de cette invitation
parce que ces espaces dans lesquels on échange sont d'une importance essentielle dans la période qui est la nôtre, qui est une période fragile, une période dans laquelle notre société est déstabilisée par toute une série de facteurs, dans lequel il y a de très grandes inquiétudes sur l'avenir. Et dans ces périodes-là, il y a un besoin qui est urgent, qui est le besoin de ne pas rester seul, qui est le besoin de partager, qui est le besoin d'échanger. Parce que dans ces périodes-là, ben, toutes les dérives sont possibles s'il n'y a pas ces espaces communs. Ils ne sont pas assez nombreux et donc c'est toujours un plaisir que d'en rencontrer un. Donc, vous remercier de cette invitation. Alors, pour aborder le thème de l'assimilation et de l'intégration, ben, il faut commencer par préciser le vocabulaire. Parce que ces termes-là sont utilisés non pas dans tous les sens, ce serait souhaitable, mais à tort et à travers. Autrement dit, on entend dans les médias, on entend dans la discussion quotidienne autour de nous l'utilisation des mêmes mots en y mettant des contenus différents. Et donc, il faut d'abord les préciser. Comme son nom l'indique, le mot assimilation vient du groupe de termes autour de la notion de similaire. Et donc, l'assimilation constitue à rendre similaire, à transformer quelqu'un de différent en le rendant similaire. Étymologiquement, donc, l'assimilation désigne le fait de devenir semblable ou de transformer l'autre à mon image. Et c'est en cela, hein, je rejoins votre intervenante de la dernière fois, c'est en cela que ça peut être perçu, vécu comme violent, et c'est objectivement, objectivement violent. L'indice de la bonne assimilation, si on prend cette définition du rendre semblable, eh bien, c'est la disparition totale, c'est la renonciation à ses héritages culturels. C'est l'abandon des spécificités et des différences qui nous constituent. C'est le fait de se considérer comme étant quasiment un nouveau-né dans la nouvelle société. Bien entendu, c'est une image parce que cela n'est pas possible et c'est certes qui fait violence. Hein, vouloir assimiler des gens, c'est leur nier qu'ils ont une histoire, leur nier qu'ils ont une continuité, leur nier qu'ils ont des héritages, et donc ça peut être particulièrement violent. C'est cette logique-là qui a pu amener dans le passé, dans les colonies par exemple, à faire apprendre à des petits Noirs ou des petits Arabo-Berbères que leurs ancêtres étaient des Gaulois et qu'ils habitaient des huttes en bois. C'était cette illusion-là de la possibilité de prendre quelqu'un et de le déraciner complètement de son histoire et de son passé. Bien sûr, cela n'est pas dans l'absolu impossible. Cela est effectivement possible, mais il faut se poser la question du coût. Combien coûte le fait pour une personne, pour une famille, de se couper de ses racines, de se couper de ses identités, de se couper de son héritage? D'ailleurs, à cet égard, un des plus grands sociologues sur ces questions-là, qui est Abdelmalek Sayad, qui est sans doute le père de la sociologie en ce qui concerne les phénomènes migratoires, les phénomènes culturels, etc. Abdelmalek Sayad soulignait que spontanément, et il en appelait pour qu'on en sorte, spontanément, on avait utilisé le terme de naturalisation pour décrire l'entrée dans la nation. Et il disait, ça n'a pas de sens parce que l'entrée dans la nation, c'est la nationalisation. Lorsqu'on prend une entreprise privée et qu'on la confie à la nation, qu'on la nationalise pour qu'elle soit propriété de la nation, on dit nationaliser. Et il dit naturaliser, ça signifie autre chose, ça signifie changer de nature. Et donc derrière le mot assimilation, il y a cette idée de prendre quelqu'un et de lui changer sa nature. Et donc effectivement, il y a là une dimension qui est d'une violence particulière. Sur le terme intégration, la logique est autre. Le terme est emprunté cette fois-ci au domaine de la physiologie. Ça vient du domaine de la biologie, de la philosophie, et ça désigne, selon le dictionnaire Larousse, la coordination des activités de plusieurs organes en vue d'un fonctionnement harmonieux. On a donc là une double affirmation, la question du fonctionnement harmonieux, donc du vivre ensemble, et d'un autre côté, la question du fait qu'on articule des éléments différents. Et donc, il y a des éléments de différence. Autrement dit, être intégré ne signifie pas être le même que les autres, ça signifie s'insérer dans la même société, respecter les mêmes lois, poursuivre les mêmes aspirations, etc. Et donc, on voit bien que le terme intégration n'a pas cette dose de violence qu'avait le terme assimilation. Et on comprend bien pourquoi ce terme a très vite été préféré par les premiers concernés, c'est-à-dire ceux
qui arrivaient dans un nouveau pays. D'autant plus que le terme assimilation, ils le connaissaient. Ils le connaissaient parce que c'était souvent d'anciens colonisés qui avaient entendu parler de la politique d'assimilation et le mot assimilation était déjà connoté comme étant un terme violent. Le problème qui nous est posé, c'est pas la question de la définition du mot intégration qui est assez précise, c'est la question de la multiplicité de ces usages. Autrement dit, nous avons derrière ce mot, si on ne précise pas ce que l'on met derrière, on a un certain nombre de personnes qui utilisent ce concept en changeant le contenu. Et en réalité, quand ils parlent d'intégration, ils pensent assimilation. Et c'est ça qui fait problème. Et c'est ce qui amène d'ailleurs un certain nombre d'habitants des quartiers populaires, de jeunes dans les quartiers populaires, à refuser ce terme. Je me souviens, il y a quelques années, tout un mouvement associatif avait sorti un badge qui s'intitulait « Va te faire intégrer ». Pour souligner qu'ils en avaient assez d'entendre parler de ce mot intégration, qu'à chaque fois on leur disait il faut vous intégrer, qu'à chaque fois on leur disait vous n'êtes pas assez intégré, qu'à chaque fois on leur disait que leur comportement montrait une carence d'intégration. Et donc faisons extrêmement attention quand on utilise ce terme à ne pas considérer qu'il va de soi. Il faut en préciser le contenu qu'on met derrière, sinon on peut avoir l'illusion d'utiliser le même mot mais en y mettant des définitions qui sont exactement opposées. On le voit bien, cet usage abusif du terme intégration, cet usage déformé du terme intégration, emplit nos médias. On le voit dans certains débats qu'on a dans nos médias, dans certains médias, heureusement pas dans tous, sur l'islam, est-il compatible avec la République, sur le voile, menacerait-il la laïcité, sur certaines cultures sont-elles compatibles avec le droit des femmes. On voit bien que derrière cela, il y a cette idée qu'il y a certaines personnes qui ne pourraient pas s'intégrer parce que elles seraient tellement différentes des autres qu'elles ne pourraient pas s'intégrer. Alors, le premier élément de réflexe est donc de bien préciser les termes. Le second élément à avoir en tête, c'est de se poser la question de ce que signifie l'intégration. Est-ce un phénomène individuel? Est-ce un phénomène collectif? Autrement dit, qu'est-ce que la sociologie nous apprend sur l'intégration? D'abord, disons d'emblée que c'est en sociologie que le terme intégration a été élaboré comme un concept. C'est la sociologie qui a mis en avant ce terme et pas n'importe qui en sociologie, puisque c'est un des pères fondateurs de la sociologie, qui est Émile Durkheim, qui le premier a utilisé cette dimension-là. Mais il utilisait le terme intégration pour désigner quoi? Il désignait le caractère intégré d'une société. Autrement dit, pour lui, l'intégration, on avait des sociétés intégrées, des sociétés non intégrées, quand il y avait de la violence, quand il y avait de la délinquance, quand il y avait etc., et des sociétés mal intégrées quand on était dans l'entre-deux. C'était pas à propos d'une partie de la population qu'on disait qu'elle devait s'intégrer et qu'une autre partie n'avait pas à s'intégrer. Donc on ne désignait pas une partie de la population, on désignait la société et on regardait si elle était intégrée ou non. Et bien entendu, cette définition sociologique de l'intégration, elle est extrêmement intéressante parce que elle nous montre bien que l'intégration, c'est pas seulement une question de volonté individuelle. Il y a de la volonté individuelle, mais ça n'est pas que ça. Ça dépend aussi après d'un certain nombre de conditions. Si vous vivez dans une société dans laquelle, à partir de la couleur de votre peau ou à partir de votre religion, vous n'avez pas le droit au même logement que d'autres, vous n'avez pas le droit à la même scolarité, etc., eh bien, on va constater une non-intégration, mais elle ne renverra pas à l'individu, mais aux politiques publiques. Et donc, la qualité d'une intégration ne renvoie pas qu'aux individus, mais aussi à l'état d'une société. C'est pour cela, d'ailleurs, que certaines immigrations dans le passé ont pu se dérouler dans d'autres conditions, parce qu'il n'y avait pas, on n'était pas exactement dans les mêmes situations. Le plus difficile pour ce processus d'intégration, c'est bien entendu quand on est dans une période de crise comme la nôtre aujourd'hui. Donc pour Durkheim, le concept ne s'applique pas à des individus. Dire qu'un individu est intégré, ça n'a pas beaucoup de sens pour Durkheim. C'est à l'échelle de la société que l'on raisonne. Quand ce mot a été repris dans le vocabulaire politique, dans les débats médiatiques, à partir des années 80, ce mot qui n'était pas utilisé dans le passé a commencé à être pris dans le vocabulaire politique et médiatique, souvent à l'occasion de confrontations électorales et donc de conflits entre des candidats. Quand il a commencé à être repris, il n'a plus été appliqué à la société, mais il a été appliqué à une partie de la société, à certaines catégories de la société. Et cela va bien entendu changer beaucoup de choses, parce que autant lorsqu'on constatait une difficulté dans le passé avec la définition de Durkheim,
on interrogeait toute la société et notre fonctionnement, autant là, on disait, mais s'ils ne sont pas intégrés, c'est de leur faute. Mais s'ils ne sont pas intégrés, c'est qu'ils ne le veulent pas. Mais s'ils ne sont pas intégrés, c'est qu'ils décident de ne pas l'être. Et bien entendu, la position extrême là-dessus, c'est ceux qui proposaient que l'on expulse, y compris les personnes qui étaient françaises depuis X générations. Je n'insisterai pas là-dessus. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai personnellement renoncé au mot intégration dans mes travaux. Je lui préfère le terme d'enracinement. Le terme d'enracinement qui me semble exprimer mieux le processus dans lequel une personne arrive dans une société et s'enracine dans cette société au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure qu'elle en maîtrise les codes, au fur et à mesure qu'elle en maîtrise la langue, au fur et à mesure qu'elle se sent chez elle et qu'elle est accueillie comme étant chez elle. Une graine, lorsqu'elle arrive sur une terre, soit qu'elle est plantée, soit qu'elle vienne avec le vent, ne va pas forcément germer. Elle germera en fonction de l'environnement, du soleil, de la terre, de la qualité de la terre, etc. De même, une personne qui vient de l'extérieur va être plus ou moins bien intégrée en fonction de l'environnement, l'état de la société, l'état des politiques publiques, l'existence d'un racisme ou non du racisme. Et c'est pour cela que le terme enracinement me semble être scientifiquement plus pertinent que le terme intégration. Alors, quand je dis cela, c'est pas pour qu'on change de mot. Là, je l'utilise dans mes écrits. Dans le langage courant, il faut continuer à parler d'intégration, mais toujours avec la nécessité de le préciser pour éviter les quiproquos et éviter qu'on le confonde avec justement ce terme d'assimilation. Le terme d'enracinement ou de l'intégration au sens positif du terme, au bon sens du terme, ça insiste sur la dimension d'interaction entre les parties. Autrement dit, entre la partie qui arrive et la partie qui est déjà là. Et c'est cette interaction-là qui fait le processus d'intégration. Si l'interaction ne se fait pas, si l'interaction n'a pas d'espace où elle se déroule, si on ne va pas dans les mêmes écoles, si on n'habite pas les mêmes quartiers, effectivement, on aura, comment on dirait aujourd'hui de manière caricaturale, des difficultés d'intégration. Cette dimension est essentielle parce que, si on parle d'enracinement, du coup, on peut essayer de comprendre comment ça s'est joué en France dans le passé. Et force est de constater, c'est pour cela qu'il faut rester serein malgré le contexte difficile qui est le nôtre, dans le passé, il y a toutes les immigrations ont été accusées de ne pas vouloir s'intégrer. Mais quasiment toutes, à une période. Et puis, aujourd'hui, certaines d'entre elles sont présentées comme des modèles d'intégration, alors que le discours qui était tenu sur elles était un discours sur l'absence d'intégration. Et c'est quelque chose qui a commencé, y compris au niveau des immigrations internes. Dans un ouvrage que je sors dans 2 mois, je fais un travail comparatif sur tout ce qui a été dit sur les immigrations, en commençant par les Bretons qui arrivaient à Paris. Puisqu'avant qu'on aille chercher des immigrés de l'extérieur, comme les entreprises se sont développées dans les grandes villes, on a fait venir des Bretons sur Paris, on a fait venir des Auvergnats. Eh bien, figurez-vous que le discours qui était tenu sur eux, c'était « ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne sont pas intégrés, ils sont pas, ils sont dangereux pour la société parce que justement, ils auraient une culture qui serait complètement incompatible avec la société. » Bien sûr, ça s'est reproduit après avec les Portugais, avec les Espagnols, avec les Italiens, etc., et avec les Polonais. Autrement dit, si je vous parle de cette histoire-là, c'est pour que l'on puisse répondre à un argument qui est souvent mis en avant, un argument qui semble de bon sens, qui est de nous dire « certaines immigrations sont plus intégrables que d'autres ». Toutes les immigrations ont été considérées comme inintégrables à un moment de l'histoire. Et donc, on ne peut pas dire que certaines immigrations sont plus intégrables que d'autres. La perception de la différence est une notion qui est une notion relative. On a connu exactement les mêmes choses. Je voudrais vous en donner un exemple en vous citant un texte. J'ai choisi un texte, il y en a de très nombreux autres. J'ai choisi un texte qui est un texte du préfet du Pas-de-Calais d'octobre 1927. Où le ministre de l'Intérieur lui posait la question suivante. Les Polonais sont-ils intégrables? Voilà. Et on demandait au préfet,
Faites-moi un rapport, vous qui êtes dans une région où il y a beaucoup de Polonais, faites-moi un rapport et dites-nous s'ils sont intégrables. Voilà ce qu'il nous dit. Les Polonais travaillant aux mines, vivant en groupe, n'ont que peu ou pas de rapport avec nos ressortissants. Loin de rechercher, ils s'efforcent de vivre uniquement entre eux, encouragés en cela par leurs ministres du culte, donc les curés. Quelle est l'aptitude de l'immigration polonaise à s'assimiler ? La réponse est nette, aucune. J'ai dit plus haut que le Polonais ne recherchait pas la compagnie de l'ouvrier français. Cette observation se vérifie même durant les heures de travail. Au fond de la mine, comme sur le carreau ou à l'atelier, un mur invisible les sépare. À l'issue de la journée, chacun s'en va de son côté. L'estaminet ne les rapproche même pas, non plus que le sport. Nombreuses pourtant n'organisent jamais de matchs et de rencontres avec les sociétés françaises. Et si d'aventure un Polonais épouse une Française ou vice-versa, le jeune couple sera tenu discrètement à l'écart. Même leur religion chrétienne n'est pas la même que la nôtre. C'est les paroles d'un préfet. C'est dire que il ne faut pas être étonné dans une période de crise comme la nôtre d'entendre parfois un certain nombre de discours. Pourtant, aujourd'hui, si vous écoutez, on va dire quasiment l'ensemble de la classe politique ou médiatique, vous aurez comme exemple mis en avant de bonne intégration les Polonais en disant c'est une intégration réussie. Eh bien, cette intégration que l'on vit comme réussie aujourd'hui a été perçue comme absolument inintégrable à un moment. Je rappelle, la réponse est nette, aucune capacité d'intégration. Bien entendu, ce type de raisonnement, c'est pas seulement le fait d'un préfet. Ça peut toucher aussi des personnes qui sont elles-mêmes issues d'une immigration passée vis-à-vis d'une immigration présente. Je voudrais donner un exemple qui m'a époustouflé il y a quelques années où je faisais une conférence à Strasbourg où la salle était pleine de jeunes issus d'immigration maghrébine. Et le premier à lever la main, voulant prendre la parole à tout prix après mon intervention, est un jeune homme d'origine marocaine, je crois, qui prenait la parole en disant « Ah, monsieur Bouamama, qu'est-ce que je suis fier de vous entendre, voir que on a un maghrébin sociologue qui parle, ça donne de la fierté, etc. » Et il rajoute juste après « Mais ici, le problème, c'est pas les maghrébins, c'est les Turcs. » En gros, il nous disait « les Turcs sont pas intégrables et nous, on est intégrables ». Donc, cette logique de refuser la possibilité à l'autre de prendre place ou la capacité à l'autre de prendre place, eh bien, malheureusement, elle peut être généralisée. Le troisième point qui me semble important d'avoir en tête, à chaque fois que l'on parle d'intégration, on va avoir un des arguments qui va nous dire « oui, d'accord, mais il y a certaines identités quand même, certaines religions quand même, qui sont tellement différentes de nous que l'intégration est impossible. » On nous dira donc qu'il y a eu des immigrations européennes qui avaient quand même une culture plus proche de la culture française que celle qui vient de pays où la majorité est musulmane. Ces affirmations, elles sont dites de bonne foi. Elles ne font que refléter un certain nombre de choses qu'on entend dans les médias. Et donc, il ne faut pas se mettre en colère quand on entend cela. Il faut au contraire s'asseoir, boire un thé et discuter. Parce que la personne qui vous dit ça peut le penser sincèrement et il faut argumenter pour lui montrer en quoi c'est une erreur. L'erreur se trouve dans une mauvaise compréhension de ce que c'est qu'une identité individuelle, de ce que c'est que l'identité. L'identité d'une personne n'est jamais unique. Vous, moi, nous n'avons pas une identité unique. Vous avez une identité culturelle, vous avez une identité de sexe, vous avez une identité de classe, vous avez une identité de parents. Autrement dit, un individu n'est jamais un monopole, un monolithe identitaire. Il est une construction identitaire forgée à partir de toute une série d'éléments et certains de ces éléments sont des éléments d'héritage liés à la migration et d'autres ne le sont pas. Autrement dit, une personne n'est jamais uniquement immigrée, elle n'est jamais uniquement descendante de l'immigration, elle est descendante de l'immigration, femme, enseignante, parents d'élèves, etc. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on peut parler à des gens très différents. Si nous n'avions qu'une identité monolithique,
eh bien, nous serions entre nous. Et c'est justement parce que nous sommes des complexes identitaires que la vie ensemble est possible. On ne se comporte pas de la même manière. On va pas se comporter de telle ou telle manière parce qu'on a une identité unique, mais on va se comporter de telle ou telle manière parce qu'on a tous ces héritages qui nous constituent. La seconde caractéristique de l'identité, c'est que l'identité d'une personne est situationnelle, c'est-à-dire qu'elle dépend de la situation, de ce que je vis. À certains moments, vous ne penseriez même pas dire que vous êtes d'origine maghrébine ou gabonaise ou bretonne. Vous n'y pensez pas. À d'autres moments, parce que justement on vous a interrogé, parce qu'on vous a fait une remarque, parce qu'on vous a stigmatisé, vous allez ressentir le besoin de préciser votre identité. Ce qui est mis en avant dépend donc de la situation. Si vous êtes une femme enceinte et que vous montez dans le bus, eh ben vous allez mettre en avant votre identité de femme enceinte pour avoir une place, et vous avez raison. Et donc, c'est la situation qui va déterminer si vous vous situez avec telle identité. Réduire une personne à une de ses identités, ça suscite des amalgames. Et toute la difficulté, c'est les périodes dans lesquelles on va réduire quelqu'un à une de ses identités. Parce qu'il est maghrébin, il ne sera que maghrébin, il ne pourra pas être parent d'élève. Et donc, on ne va pas le considérer comme parent d'élève. Ou on ne va pas le considérer comme étant un diplômé. On va oublier qu'il est diplômé, on ne va retenir que son identité ethnique. Autrement dire, le pire pour une personne, c'est d'être réduite à un de ses éléments identitaires. C'est ce processus-là, cette réduction-là, que l'on appelle des amalgames. Qu'est-ce que c'est qu'un amalgame ? C'est lorsque des personnes qui sont différentes, si vous prenez le groupe les Maghrébins ou le groupe les Musulmans, ben ils sont très différents les uns des autres. Il n'y a pas un type de musulman ou un type de Maghrébin. Et pourtant, le préjugé va venir les homogénéiser, les présenter comme se ressemblant tous, fonctionnant tous de la même manière, ayant tous le même processus. Lorsqu'on est dans des processus d'amalgame, c'est bien entendu contradictoire avec la notion d'intégration. J'ai même parlé, pour ces derniers temps, ces dernières années, j'ai mis en avant un peu ce jeu de mots, puisqu'on était passé de la stigmatisation ou de l'amalgame autour de l'origine à l'amalgame autour de la religion. Donc j'ai proposé le concept d'islamalgame, où tous les musulmans, qu'ils viennent d'Afrique, d'Asie, dès qu'on était musulman, ou même qu'on soit quelqu'un d'ici et converti à l'islam, étaient amalgamés comme fonctionnant de la même manière, ayant uniquement un seul comportement. Cette réduction à une seule dimension empêche de comprendre tous les phénomènes sociaux. Si je réduis tout le monde à une seule de ces dimensions, je ne peux pas comprendre les phénomènes sociaux. Je vais avoir tendance, et malheureusement dans notre société ça existe, ce courant-là, je vais avoir tendance à expliquer le terrorisme à partir de l'identité de la personne, d'expliquer la toxicomanie à partir de l'identité de la personne, d'expliquer la délinquance à partir de l'identité de la personne, d'expliquer l'échec scolaire à partir de l'identité de la personne, et non pas en fonction des véritables causes qui sont sa situation sociale, sa composition, le fonctionnement de la famille, la crise éventuelle de la famille ou d'autres facteurs sociaux. À chaque fois qu'on réduit une personne à une de ses identités uniquement, eh bien on va vers ce type d'explication que l'on appelle des explications culturaliste. Autrement dit, on explique tout par la culture. La culture devient le mode d'explication de tout, de tout. Si j'ai un rhume, c'est à cause de ma culture. Et donc, faisons attention à ce type de réduction. Troisième caractéristique de l'identité, c'est que l'identité est toujours relationnelle. Elle est toujours relationnelle, c'est-à-dire que je ne me réveille pas le matin en me disant « Tiens, je suis d'origine algérienne. » Ça, je n'y pense même pas. Je me réveille pas le matin en me disant « Tiens, je suis d'origine bretonne, je n'y pense même pas. » Ou « Tiens, je suis noir, j'y pense pas. » C'est lorsqu'on me renvoie ça que je vais avoir tendance à le mettre, soit à le revendiquer, soit à le nier d'ailleurs. Hein. Certains vont avoir honte et vont le nier, d'autres vont le mettre en avant en disant « Bah oui, je suis musulman, et alors ?» Et donc, c'est cette dimension relationnelle qui est importante. Encore une anecdote qui illustre bien cela, une anecdote qui vient de mon enfance. Je me souviens, adolescent, j'aimais le football et je me retrouve dans un tournoi de football comme spectateur. Et il se trouvait que la demi-finale, c'était France-Algérie.
Moi, j'ai grandi à Roubaix. Roubaix, c'est une forte population d'origine algérienne. Et si on dit maghrébin, c'est encore plus. Le stade était plein de jeunes issus de l'immigration maghrébine. Ils avaient tous les couleurs algériennes. Ils criaient tous « l'Algérie va gagner », etc. À l'époque, personne n'a pensé que ça posait problème. Aujourd'hui, on aurait des discours sur « ah là là », affiliation, enfin, affiliation identitaire, communautarisme, etc. Et tout le monde était là en voulant que l'Algérie gagne. Bon, l'Algérie a perdu. Le lendemain, c'était la finale. Et la finale, c'était France-Allemagne. Les mêmes jeunes qui étaient là la veille à crier l'Algérie doit gagner, crier la France doit gagner. Ces jeunes étaient dans cette dualité, c'était la dimension relationnelle de l'identité. Et c'est pour cela que ça n'a pas de sens en termes d'intégration de demander à quelqu'un de choisir entre ses différentes identités. Quand vous dites à quelqu'un, mais choisis, t'es français ou algérien? T'es français ou marocain? T'es français ou breton? Lorsqu'on lui dit ça, on lui dit choisir entre deux parties dans lesquelles il ne peut pas choisir, puisque les deux le constituent. C'est pas un plus un, c'est l'ensemble qui constitue son identité. Et donc, on a vraiment besoin, sur ce terme intégration, dans le débat, d'aller plus loin et de poser la question des identités, parce que ces exemples-là, on peut les avoir avec des personnes qui n'ont rien à voir avec l'immigration, mais qui ont des héritages identitaires pluriel, ils peuvent venir de la campagne et habiter maintenant en ville, c'est une identité rurale, une identité urbaine, ils peuvent venir de Bretagne, d'Occitanie, et donc tous nous sommes de ce type-là. En fait, l'immigration ne fait que révéler, en le grossissant, le processus qui est valable pour tous les êtres humains. Il n'y a aucune personne qui est composée d'une seule identité. Alors, quelle conclusion tirer sur ces trois caractéristiques de l'identité? Première conclusion. Au plus on va nier à quelqu'un ou diaboliser une de ses identités, par les médias par exemple, par certains discours qu'on entend par exemple, au plus elle va avoir tendance à la réaffirmer. Et donc, je pense qu'à chaque fois, comme dans cette période-là, il faut ramener le calme, parce qu'au plus on agresse quelqu'un sur son identité, au plus celle-ci s'affirme, et elle s'affirme de manière caricaturale. Elle s'affirme même plus que ce qu'elle est réellement. Elle s'affirme en se grossissant. Elle s'affirme en s'absolutisant. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le terme d'assimilation a fini par être abandonné aussi. Il a fini par être abandonné parce qu'on a constaté que ça ne fonctionnait pas. Après des décennies et des siècles dans lesquels on a dit aux Bretons, vous savez, être breton, c'est être un retardé. Il faut vous intégrer et devenir français. On a encore un mouvement pour apprendre la langue bretonne. On a des jeunes qui revendiquent cette dimension-là. Et donc, le refus d'un élément identitaire va pousser à sa réaffirmation. Secondo, opposer les différents éléments d'identité d'une même personne, c'est amener cette personne à, c'est empêcher cette personne d'être elle-même. Or, on ne gagne jamais quand quelqu'un n'est pas lui-même. Tout ce que ça peut produire, ce serait des gens qui vont masquer leurs éléments d'identité qui sont diabolisés, dans l'espoir d'être mieux acceptés, mais ça ne marche bien entendu jamais. Et puis, troisième dimension, troisième conclusion qu'il faut retenir, c'est que l'enracinement, en réalité, des nouvelles composantes d'une société, eh ben, ça suppose des politiques publiques qui permettent le vivre ensemble, qui favorisent le vivre ensemble, qui créent des espaces communs, parce que c'est là que les différences, eh bien, se rencontrent, se connaissent et s'articulent. Autre élément qu'il me semble important d'avoir en tête, c'est que ce processus s'inscrit dans la durée. Personne ne, du jour au lendemain, peut se décréter intégré ou pas intégré. C'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Pourquoi? Parce que l'enracinement, c'est une mutation identitaire. Ça a été dit avec l'exemple de la personne qui m'a précédé dans ces débats en Égypte. C'est un processus, ça suppose une mutation identitaire. En vivant dans un nouveau contexte, l'individu s'adapte et complète son identité par de nouvelles dimensions. C'est pour cela qu'être arabe en France ou arabe de France, c'est pas la même chose qu'être arabe en Algérie ou qu'être arabe en Tunisie. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des éléments communs, il y a une langue, il y a une culture, il y a des héritages, mais celle-ci s'est déjà transformée par le simple fait de vivre ensemble. D'ailleurs, on peut même considérer
avec le sociologue que j'ai cité tout à l'heure, Abdelmalek Sayad, que le changement commence dès le pays d'origine. Dès qu'on a l'idée de partir, on commence à se préparer et à se transformer. Abdelmalek Sayad dit, lorsque au fin fond de la campagne du Maroc ou d'Algérie, l'immigré commence à avoir un projet migratoire parce qu'il ne s'en sort plus, parce qu'il veut que ses enfants vivent mieux, etc. Lorsqu'il commence à avoir cela, eh bien, il commence à se transformer parce qu'il sait très bien qu'il va aller dans un autre pays dans lequel il y a d'autres règles, dans lequel il y a d'autres fonctionnements, etc. Donc, c'est toujours une mutation identitaire. C'est d'ailleurs l'occasion de saluer la génération des parents, hein, qui ont vécu cette mutation identitaire qui n'est jamais une réalité simple. Parce que ça suppose d'abandonner des éléments, d'en prendre d'autres, de les articuler. Et à certains moments, ben, ce n'est pas quelque chose de facile. D'ailleurs, je soulignerai que, paradoxalement, pour ces parents qui arrivaient, qui ne parlaient pas français, qui ne maîtrisaient pas les codes administratifs de la France, qui ne connaissaient pas, pour un certain nombre d'entre eux, la vie urbaine parce qu'ils venaient de la campagne, qui ne connaissaient pas la vie en entreprise parce qu'ils étaient paysans, eh bien, pour tous ces parents, on n'a jamais parlé d'intégration. On a commencé à parler d'intégration pour leurs enfants, alors que leurs enfants étaient nés ici, avaient grandi ici, connaissaient les codes, parlaient parfaitement la langue, avaient été à l'école ici, etc. Et c'est ce qui explique pourquoi vous allez avoir parfois dans les quartiers populaires, moi je le vois dans mes débats, beaucoup de jeunes qui vont vous dire « Non, nous, le mot intégration, on n'en veut pas. » Parce que justement, ils se posent la question « Mais qu'est-ce qu'on me demande? Je suis déjà intégré. Hein, » Si vous me parlez d'intégration, vous sous-entendez que je ne le serai pas encore. Et donc, ça, c'est perçu comme étant… comme étant violent. Et pourtant, on entend encore aujourd'hui ben, ces discussions sur, enfin ces discours sur il faut que les jeunes de banlieue s'intègrent, il faut que les jeunes issus de l'immigration s'intègrent. C'est un non-sens. Ils sont de fait intégrés dans tous les espaces de la société française. De manière significative, au début des années 80, lorsqu'ont lieu les grandes marches pour l'égalité, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en 83, il y a eu des dizaines de personnes issues de l'immigration qui se sont fait tuer en quelques mois. Cela a provoqué une réaction qui était une marche pacifique qui a réuni 100 000 personnes à Paris. Ils sont partis à une dizaine de la région lyonnaise et ils ont fait le tour de France. Et partout, ça a été des milliers et des milliers de personnes qui débattaient, qui se rencontraient, qui échangeaient, etc. Et puis, ils ont tous été vers Paris. Et donc, il y avait 100 000 personnes à l'arrivée. Ils ont été reçus par François Mitterrand. Ça a fait la une de tous les journaux à l'époque, etc. Eh bien, parmi leurs slogans, il y en avait deux qui étaient significatifs de la situation. Le premier disait « Nous voulons être des Français à part entière et pas entièrement à part. » Je pense que cette expression résume bien tout l'enjeu de la différence entre assimilation et intégration. Il s'agit d'être intégré, c'est-à-dire d'être des Français à part entière et de refuser d'être considéré comme entièrement à part. Et la seconde, le second slogan qui était crié, c'était « La France, c'est comme une mobylette. Pour qu'elle avance, il lui faut du mélange. » Autrement dit, ce qui était mis là en avant, c'était l'idée des espaces du commun, des espaces d'échange, des espaces de rencontre, sans lequel eh bien, l'intégration aura des difficultés, mais pas l'intégration des nouveaux, simplement l'intégration de la société, au sens que j'ai donné tout à l'heure au niveau sociologique de Durkheim. Il y a par contre... C'est le seul point de différence avec d'autres immigrations qu'il faut garder en tête, qu'il faut avoir en tête, parce que ça explique le travail que nous avons encore à mener, un travail patient, un travail long. Il y a une différence entre les immigrations actuelles et les immigrations du passé. C'est la seule que je vois. Toutes les autres, on a vu tout à l'heure qu'elles avaient existé pour le passé. C'est que les immigrés qui arrivent depuis une trentaine d'années viennent des anciennes colonies. Et que l'image de ces immigrés, eh bien, est une image qui est une image héritée. Dans les livres d'histoire, dans les chansons, dans les films, on a eu une certaine image du noir, de l'arabe, du musulman. Et on a tendance à lire l'autre au travers de ces images caricaturales
qu'on a hérité, qu'on a appris, etc. Et donc, ça, c'est un obstacle parce que ça fait, c'est des images qui font obstacle à la véritable rencontre. Lorsque je te vois avec un voile, je me dis, oh là 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 là, c'est le terrorisme qui débarque et je ne prends pas le temps de te découvrir et de débattre avec toi. Et donc, ces images-là sont une difficulté particulière. Et donc, il y a un grand travail d'éducation, un grand travail d'échange, un grand travail de rencontre qui est absolument nécessaire. Pour le reste, eh bien, comme pour les autres immigrations, ça se passe bien ou ça se passe mal en fonction du contexte social. Est-ce que on a des politiques publiques qui favorisent la rencontre ou non, et en fonction de l'instrumentalisation politique par certains partis. Tout ce que je viens de dire, ça signifie tout simplement qu'il faut refuser ce que l'on appelle en sociologie le culturalisme. Le culturalisme, c'est de réduire la personne à sa culture, ou à une de ses cultures. Parce qu'à chaque fois qu'on réduit quelqu'un à une de ces cultures ou à un de ces éléments culturels, eh bien, on en arrive inévitablement, qu'on le veuille ou non, on en arrive à l'amalgame, on en arrive à le réduire. On homogénéise des personnes qui sont diverses. Les musulmans sont aussi divers que les autres croyants ou les non-croyants. Les maghrébins de France sont aussi divers que les bretons, etc. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des égoïstes, il y a des altruistes, il y a des gens qui sont violents, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, il n'y a pas une caractéristique qui permettrait de décrire un type de population. Je terminerai en proposant deux éléments de conclusion, qui me semblent pour moi deux besoins urgents. Le premier, c'est de faire reculer par l'action éducative, l'action sur les médias, l'action sur la vie collective de proximité, toutes les réductions que nous pouvons entendre aujourd'hui. Et le second, c'est de produire du commun, c'est-à-dire des espaces où l'on vit des choses ensemble, où l'on pense des choses ensemble. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bouamama. Merci infiniment. Oui, il faut créer des espaces communs. Oui, il faut favoriser le vivre ensemble. On est là pour ça. Et oui, il ne faut pas réduire une personne à une de ses identités. Il ne faut pas empêcher une personne d'être elle-même. Et oui, plus on agresse quelqu'un sur son identité, plus celle-ci s'affirme et d'une façon caricaturale, parfois agressive. Et oui, nous avons beaucoup de questions. Alors maintenant, s'il vous plaît, Christine, elle va vous transmettre les questions, mais essayez s'il vous plaît de répondre brièvement parce qu'on en a plein. OK. Alors Christine. Merci beaucoup pour cette intervention qui était très intéressante et c'était amusant d'aller des Bretons jusqu'aux Algériens. Donc, une première question de Radwa qui vous demande de revenir sur le terme de « enraciné ». Et elle pose la question, cela impliquerait-il que le rapport entre la graine et son héritage et l'environnement se résume à une simple adaptation ? Alors, dans les travaux sur aujourd'hui la biologie, on sait que l'adaptation n'est jamais à sens unique. Elle est dans le double sens. Autrement dit, de la même façon qu'une graine va s'adapter à son contexte pour essayer de survivre, de la même façon, le contexte va être transformé par la graine. D'ailleurs, les jardiniers vont planter telle plante à côté de telle autre plante parce qu'elles vont devenir complémentaires, parce que justement l'une apporte à l'autre autre chose. Autrement dit, il s'agit donc d'une adaptation, mais d'une adaptation mutuelle. Tout à fait. Alors, il y a justement des questions, enfin qui ne sont pas vraiment des questions, qui sont plutôt des remarques. Du fait du vivre ensemble qui est difficile, ça amène les gens à se refermer sur eux-mêmes, et vous avez donné l'exemple des Polonais. Et s'ils se sont refermés, c'est encore une remarque de Radwa Fati qui dit, c'est certainement parce qu'ils ont peur de perdre une identité, une partie de leur identité en se frottant aux autres. Donc, il y a peut-être une peur mutuelle. Absolument, absolument.
Il a très bien résumé. J'ai rien à ajouter. D'accord. Donc, on est toujours finalement aussi le Turc de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un d'autre. Ça, c'est un exemple aussi que vous avez donné. C'est-à-dire que de génération en génération, et c'était très intéressant que vous rappeliez que les Bretons eux-mêmes avaient été considérés comme des immigrés en France même. Alors, à propos des Bretons, est-ce que le fait absolument de vouloir parler breton comme les Corses qui veulent parler corse, c'est à la fois un acte de résistance pour affirmer leur identité eux aussi, parce que ce sont d'anciens immigrés qui se rappellent qu'ils ont une autre culture ? Moi, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où ce qui a pu être nié pendant longtemps ressurgit. Et je pense que je suis étonné, par exemple, du nombre d'invitations que j'ai à faire des conférences en Bretagne, en Occitanie, etc. Et où, pour eux, il n'y a aucune difficulté à faire le lien entre ce que leurs grands-parents ont vécu ou leurs parents ont vécu et ce que je décris sur l'immigration, y compris sur l'immigration récente. Donc, pour moi, c'est des processus similaires. Moi, je me suis retrouvée dans ce que vous avez dit, parce que mes grands-parents étaient italiens, ils voulaient absolument s'intégrer à fond, ils refusaient de parler italien, ça a commencé comme ça, il était interdit de parler italien à la maison. Donc, c'était un renoncement. Donc ça revient beaucoup dans les questions. Est-ce qu'il y a, dans ce phénomène d'assimilation, il y a cet abandon de soi qui est obligatoire? C'est ce que certaines générations ont pensé, qu'il fallait obligatoirement abandonner quelque chose. Alors, ces immigrations et ces générations passées, elles ne l'ont pas pensé parce qu'elles étaient idiotes. Elles l'ont pensé parce que c'est ce qu'on leur disait aussi. C'était le contexte de l'époque. C'est-à-dire que il faut se rappeler ce qu'on disait aux Italiens, c'est où vous vous assimilez, où vous partez. C'était ça le discours. Hein. Très souvent, les gens connaissent le racisme que vit l'immigration actuelle, mais oublie le racisme qu'a pu vivre les immigrations du passé. Je rappelle que pour les Italiens, par exemple, il y a eu le massacre d'Aigues Mortes où pendant 3 jours, on a chassé l'Italien. Je touche du bois pour les personnes issues de l'immigration maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. On n'a pas connu ça et j'espère qu'on ne le connaîtra pas. Mais là, c'était de la chasse ouverte. Et donc, pour ces parents-là, s'ils voulaient que leurs enfants s'en sortent, ils se disaient « je dois faire ce sacrifice de moi-même ». Mais c'est une illusion, c'est-à-dire que même quand ils l'ont fait, en réalité ça n'a pas marché puisque leurs enfants ou leurs petits-enfants vont après eux-mêmes être à la recherche de cette identité. On ne supprime pas une identité comme ça. Alors justement, ça fait écho ce que vous venez de dire à une remarque de Ralit qui dit généralement quand une société elle accueille des immigrés, c'est qu'elle a besoin d'eux, hein. Donc elle les fait venir parce que ça correspond à un besoin. Et puis une fois sur place, ben, les immigrés, ils essaient d'améliorer leurs conditions de vie. Et normalement, ça devrait être, je le cite, à une relation win-win, hein, gagnant-gagnant. C'est pas le cas. Alors pourquoi est-ce que ces relations, elles aboutissent pas positivement? Et lui, bien sûr, il souligne le rôle des politiques. Je pense que vous allez y revenir. Oui, absolument. Je pense que nous souffrons aujourd'hui d'une période particulière qui est une période dans laquelle un certain nombre de discours sont rentables électoralement. Il y a des gens qui jouent avec la peur des gens, qui instrumentalisent, qui manipulent les incertitudes, les peurs pour l'avenir, etc. On a connu ça dans le passé, hein, c'est la logique du bouc émissaire. Pour ne pas parler de certaines questions, on va mettre en avant d'autres questions. Donc, effectivement, dans les causalités, il y a celle-là. Mais comment on peut faire reculer ça? On peut faire reculer ça en créant des espaces du commun, justement. Il faut multiplier à l'infini les initiatives où on pense et on fait ensemble. C'est effectivement un beau projet. Donc, justement, il y en a plusieurs qui dans le fil de la conversation, se lamentent, hein, de l'état de fait, parce que là, vous êtes dans le futur. Il faudrait créer des espaces, mais actuellement, Ahmed remarque qu'il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits et que même actuellement, on est considéré, je le cite, hein, comme un paria et que ça se reproduit de génération en génération, ce qui explique aussi le durcissement des nouvelles générations qui revendiquent une identité qui n'est pas tout à fait la leur, c'est plutôt celle de leurs parents, mais qui la revendiquent de façon excessive. Et vous avez expliqué pourquoi ce phénomène. Et ça génère encore plus de tensions. On est dans un cercle vicieux qu'il faut briser. Alors, je n'ai pas la solution miracle, hein, mais c'est en multipliant les initiatives. Votre auditeur a raison de souligner que c'est d'autant plus porteur de souffrance que ça se reproduit de génération en génération. Parce qu'en réalité, les parents,
ils étaient en quelque sorte protégés psychologiquement. Ils se disaient, je vais dans un pays qui n'est pas le mien. Et quand je vais dans un pays qui n'est pas le mien, eh bien, je me dis, je ne serai sans doute pas traité comme les autres, je vais sans doute souffrir, etc. Et donc, les parents avaient une carapace qui les a en partie protégés. D'ailleurs, le mythe du retour, qu'est-ce que c'est que ce mythe du retour, si ce n'est de ça. Dire, bon, si ça ne va pas, je rentre. Mais, bien entendu, il disait cela, mais il ne rentrait pas. Hein. Toute migration a vocation au peuplement. Ça, c'est, on ne connaît pas d'exemple d'immigration avec des retours massifs. Donc, y compris ceux qui arrivent aujourd'hui et qui disent « moi, je vais rentrer au pays », je leur dis toujours avec un grand rire « on en parlera dans 5 ans ». On en reparlera quand tu auras ton premier enfant ici. On en parlera quand tu auras déjà mené une vie ici, etc. Donc, toute migration a vocation au peuplement. Ce qui fait souffrance pour les nouvelles générations de Français, dont les parents étaient étrangers, ce qui fait souffrance, c'est la reproduction transgénérationnelle du stigmate. Les parents aussi ont été discriminés, aussi ont vécu le racisme, mais ils avaient cette idée, je ne suis pas chez moi. On souffre plus lorsqu'on a l'impression d'être rejeté chez soi, que quand on a l'impression d'être rejeté quand on n'est pas chez soi. Ce qui fait la difficulté et la souffrance de la question, c'est que ce sont des Français qui sont considérés comme étrangers. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible et quelque chose qu'il faut transformer. Et vous parlez du fantasme du retour, mais moi je peux observer aussi chez certains jeunes, le fantasme du pays qu'ils n'ont jamais connu, ils n'y sont jamais allés, mais c'est mieux. Bien sûr. Bien sûr, c'est une manière de rêver. Comme le retour réel est rarement possible, ben je m'invente un retour. Mais ça, c'est dans l'aspect qui est encore positif. Pour ne pas me détruire dans le présent, je rêve d'un retour. Et après, il y a ceux qui vont rêver d'un retour complètement artificiel. Ceux qui manipulent, parmi ceux qui manipulent la situation actuelle, vous avez ceux qui viennent recruter des jeunes paumés pour en faire des terroristes. Et ils leur disent quoi ? Tu vas revenir à la pureté. En gros, ton islam n'est pas le bon islam. Je vais te montrer ce que c'est que le vrai islam. Et le vrai islam, c'est la pureté. Et tu vas revenir à cela. Donc, c'est bien un retour. C'est un retour, celui-là, cauchemardesque. Alors, une question de Fatima Azara qui dit « Comment éviter que nos jeunes soient englués dans une identité monolithique ? Surtout qu'il est de plus en plus difficile de se présenter comme musulman avec la montée de l'idéologie de droite. » Alors, je pense qu'il y a 3 éléments absolument nécessaires. J'imagine que c'est un parent qui parle et qui se veut, et il faut le dire, beaucoup de parents aujourd'hui sont inquiets. Je crois qu'il y a 3 éléments à avoir en tête. Le premier élément, c'est que je ne réagis pas de la même façon quand je comprends un processus et quand je ne le comprends pas, quand je le subis simplement. Donc, le fait d'avoir cette discussion-là ce soir avec votre adolescent est déjà un vaccin contre un certain nombre de dérives. Comprendre pourquoi on en est là, comprendre que c'est un fonctionnement, comprendre que d'autres immigrations l'ont vécu, comprendre que c'est pas irréversible, que ça peut se transformer, que ça dépend d'un certain nombre de mobilisations, c'est déjà un élément de réponse. La seconde chose, c'est que on souffre d'autant plus et on s'est détruit d'autant plus que l'on est isolé. Lorsque je suis avec d'autres et que je peux partager avec d'autres, ça me protège aussi en partie. Et troisièmement, il y a la nécessité de prendre prise, c'est-à-dire d'avoir l'impression qu'on peut agir et donc de faire des choses. De faire des choses, donc d'élaborer des projets, quels qu'ils soient, que ce soit du débat, que ce soit de l'entraide avec des plus démunis, ou que ce soit, peu importe, l'important c'est de faire des choses avec d'autres. Alors ça sera la dernière question parce que le temps passe vite, même si on aurait bien prolongé cette conversation. Ça va dans le même sens de ce que vous voulez dire. Donc comment éduquer les jeunes, comment éduquer la nouvelle génération dans une biculturalité ou même au-delà d'une biculturalité, hein, d'une façon multiple. Alors vous avez beaucoup parlé de l'école. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire dans la famille, au sein de la famille ? Je pense que c'est essentiel de ne pas considérer que la transmission culturelle se fait spontanément. La transmission culturelle, elle se fait en la rendant explicite. Sinon, elle a tendance, elle peut être interprétée, se caricaturer en fonction de facteurs extérieurs.
Et donc, c'est important que les expériences des parents soient connues, y compris les expériences douloureuses, parce que ça permet aux parents de les resituer comme quelque chose de concret, de vécu, et non pas comme quelque chose qui était absolument de violence pure, etc. Et donc, c'est important de que cette transmission se fasse. Cet échange-là entre parents et enfants est un échange qui est absolument nécessaire. Dans beaucoup trop de situations, on a sous-estimé ce besoin d'échange parents-enfants. On a considéré que ça allait se faire tout seul. On a considéré qu'ils allaient comprendre ce qu'était le sens, par exemple, de ma conviction religieuse. Ben, c'est pas spontané, ça se discute, ça, on met des mots dessus. Parce qu'ailleurs, ils peuvent entendre des discours qui vont parler de la même religion en y mettant un autre contenu. Et donc, c'est important, où ils ne vont pas entendre des gens parler du fait d'être arabe ou berbère, mais en y mettant un autre contenu. Et donc, c'est important de mettre des mots, de rendre explicite ces héritages. Si j'essaye de résumer toute la richesse de votre intervention, vous avez commencé par dire qu'on était dans des absurdités quand on a voulu intégrer de force en faisant apprendre, par exemple, aux petits Sénégalais nos ancêtres les Gaulois, c'était l'exemple que vous aviez pu donner, et qu'il faut revenir à quelque chose de plus sensé, à intégrer, c'est au niveau d'une société, pas, c'est pas au niveau d'une personne, pour reprendre le point de vue de Durkheim, et que vous avez préféré l'image de la graine, qui fonctionne très très bien, hein, cette image de l'enracinement. Quand on plante, et j'ai bien aimé aussi cette image, cette métaphore du vent, quand il y a une graine qui arrive quelque part, il faut que plusieurs conditions soient réunies pour que cela puisse fonctionner. Et parmi ces conditions, il y a l'acceptation de l'autre, la création d'échanges réguliers, mutuels, dans la famille, vous venez de le dire à un instant, avec les autres, de façon intergénérationnelle. Il faut qu'il y ait des espaces qui soient possibles pour cela, et ça relève d'une volonté politique et pas simplement individuelle. Et ce sont au minimum ces conditions qui permettent à la plante de germer. Et vous avez aussi été très attentif au fait qu'il ne faut pas réduire une personne à une identité, que nous sommes des êtres multiples, parce que si on fait ça, on arrive à des amalgames qui sont des stéréotypes, qui sont des biais et qui nous conduisent à des absurdités. Vous avez utilisé aussi un nouveau terme, l'islamalgame, qui résume bien, c'est-à-dire que dès qu'on porte un foulard ou qu'on est forcément rétrograde, ou si on est habillé en noir, eh bien, cela voudrait dire aussi qu'on va poser une bombe. On arrive à des raccourcis intellectuels qui sont dangereux. Donc, on oublie la multiplicité et la richesse de ces échanges, mais ça demande un effort. C'est-à-dire qu'il faut aller vers l'autre. L'autre aussi doit venir vers nous. Et ces espaces de rencontre sont peut-être encore manquants, enfin insuffisants, puisque vous insistez et vous appelez de vos voeux à ce qu'il y en ait de plus en plus, si j'ai bien compris le sens de votre pensée profonde. Vous avez très bien compris. Merci pour ce beau message. Je repasse la parole à Amal. Merci Christine, merci Monsieur Bouhamem. Voilà, comme Christine, moi je m'associe avec elle, parce que l'exemple là de la graine enracinée est vraiment est très beau. Et ben, j'ai adoré votre phrase, l'échange est la base de l'équilibre. C'est une phrase qui doit être écrite en or. Votre remarque sur le terme de la naturalisation est très intéressant, parce que c'est vrai qu'on sait pas, on change pas de nature quand on devient français, on ajoute une nationalité ou on change de nationalité. Alors la nationalisation aurait pu être plus adaptée. Être intégré ne signifie pas être comme les autres, mais veut dire respecter les mêmes lois et les mêmes codes que les autres. Ça aussi, c'est très important. Alors, vous avez insisté sur le contenu du terme intégration, parce que nous, quand on a mis intégration et assimilation, pour nous, intégration était plus légère ou plus acceptée. Et même Catherine Julien, quand elle a parlé la semaine dernière, c'est le terme assimilation qui l'a choquée. Elle ne l'a pas du tout aimé. Mais intégration, elle l'avait utilisé même pour donner des exemples sur son propre cas, sa propre intégration. Mais vous avez tout à fait raison, le contenu peut être déformé. Alors, merci beaucoup, Monsieur Bouhamem. Je crois que tout le monde partage avec moi l'appréciation de votre intervention très dense et très riche, et très claire et très fluide. Merci beaucoup.
Et bon, avant de quitter notre cher public, je vous dis que notre prochain rendez-vous sera le dernier pour cette saison. Nous avons donc choisi de la clôturer sur un thème qui nous fait revenir au point de déclenchement qui a conduit à la création du collectif Regard Neuf, Parlons Cultivons. La réconciliation fait son chemin. C'est le titre de notre prochaine séance. La réconciliation peut advenir quand il y a une base solide de justice, quand il y a un projet de construction commune au niveau des personnes, au niveau de leur environnement, au niveau de leur désir de vie, mais elle doit également s'inscrire dans une volonté politique plus large, où l'organisation sociale, y compris la religion et la culture, sont parties prenantes. Le mercredi 30 juin, Madame Arlette Hasselbach, membre de la Fondation pour la mémoire de la déportation, nous guidera sur ce chemin. En attendant notre prochain rendez-vous, pensez à regarder les replays de nos séances précédentes ainsi que celui de la séance de ce soir qui sera en ligne dans 24 heures. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et rappelez-vous toujours, en ces moments troubles, restons soudés. Merci et très belle soirée.